Donc salut à tous, c'est Toussou d'Epoch. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 8 boosters Glaciation Plasma, donc en compagnie de Lord Poké. Salut. Qui va m'accompagner pour cette vidéo. Donc j'en ai 8. Donc il y a 3 Scalp 3, il y a un Absol, 2 Fuguris et 2 Deoxys. Bon, mon préféré, moi, c'est Fuguris. Absol. Absol. C'est dans celui-ci que j'avais eu mon. Okay. Donc la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ensemble, c'est ça qu'on avait ouvert. C'était pas mal. On verra bien ce qu'on va avoir, mon ami. Chance. En espérant que ce soit pas trié, parce que c'était des boosters en loose. Ok, c'est parti. Il y a un booster scale. Pas combien. Ça fait bientôt un an maintenant que cette série-là les est passée, non? Ça fait 2013, ouais, donc un an. En moins un an. Le petit code. Au moins espérer une. On est parti. Faut penser que c'est un face opening, donc on va ouvrir par là. Donc, si tu veux bien faire la macro. Voilà. Donc Aspico, Tritonde, Nidoran femelle, Colossinge, Hippotrempe, Énergie Plasma. J'avais oublié qu'il y avait ces trucs. Ouais, c'était bien, hein, de l'énergie. Mélancolux, Norfang, Hypocéan, donc en peu comme une reverse, et derrière. Jai Boreas. Boreas Ex, putain, tu connais mieux que moi. Ouais, bon, bah, pochette. Boreas. Bon, bah, Boreas Ex. 98/116. Merci. Bon, bah, n'hésitez pas à trier. Ouais, non, mais voilà, non, mais déjà au moins. Bon, ça commence bien. Deuxième booster, toujours un Scalp 3. Et c'était les boosters de presse en plus, Ah oui, en plus. Les étiquettes presse. Ah, c'est les trucs en fait, en gros ils viennent d'une display de presse et ouais, final, c'est soit t'as de la chance, soit t'as des displays qui coûtent 200 euros. C'est ça. Un peu près. Hop. Alors, 3, 2. Ah, je l'ai pas senti en plus. Je laisse toujours glisser un doigt pour voir. Mais... tu m'avais pas dit en plus que c'était une radio glaciation, mais les cartes je les connais par cœur maintenant. Parce que... bah, c'est ce que t'as ouvert quand t'as fait ta chaîne. Plus, jeux, ouais. Alors, on continue avec Axoloto, Ferrosinge, Evoli. Ah, qui est sympa. Sort bébé. Ah, puis j'avais oublié qu'il y avait des... tous les glaçons autour des Hippotrempe. Cartes. Bah ouais, t'as que des cartes avec des glaçons. Ouais. Aquali. Les bords bleus que j'aime pas du tout. Nidorino. Hippocéan qu'on a eu en reverse tout à l'heure, je crois. Un Farfuré en commune reverse. Et derrière. Noctali holographique. Bon. Bah c'est bien, c'est. Bon, c'est bien, bah, je crois que c'est une de mes préférées cartes holographiques du set. Moi c'était la Dracolos. Il me semble qu'il y avait Dracolos. Ah ouais, t'as raison, Dracolos. Ah, mais je préfère Noctali, je crois. Je sais plus à qui d'autre, il y a longtemps que j'ai ouvert ça. D'ailleurs, on entend mon fils derrière, hein, c'est... il participe bien malgré lui à la vidéo. Il t'attend à ce qu'il est en fait. Il est à fond. T'en lui avais dit, hein, tu t'es, vidéo et tout. Il rigole. Donc le petit code. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Bon, calmez-le là. Oh. Est-ce qu'en fait, on est dans un auditoire en fait? On est à deux devant la caméra, mais il y a 10 000 personnes derrière en fait. Ah, c'est ça. Là, on est. 6, 7 on en tout. On a l'ingénieur du son qui est voilà, dans le coin. Donc, Le son, c'est bon. Jimmy, le son, c'est bon. Donc, Nidor en mal. Ratata. Mascaïman. Tu t'as fait. Funessir, donc le Pokémon bougie. En train de faire fondre la glace. C'est pas le plus moche. Scalproa. Il y a pire contre Scalproa, il y a une peu commune et il y a une rare, rare dans cette série. Il y en a deux. Il y en a plusieurs. Hein. Un Batrachné. Un dresseur récupération d'énergie supérieure. C'est pas. Faut le dire ce mot-là. C'était pas aussi Solochi qu'il y avait en plusieurs versions dans ce. Ah oui, dans ouais, t'as raison. Ouais. Il y a Solochi en deux fois. Ouais. En deux communes en plus, je crois. Un tu t'as fait en commune reverse. Tu t'as fait. Ah voilà. Dracolo. Ouais, c'est ça aussi. Ok, donc il y avait bien Dracolo dans la série. Ouais, je la trouve pas. Le Pokémon il est beau, mais l'illustration derrière, bah, c'est après, pas. Après, il me semble que c'est une des premières Holo que j'avais eu aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et ouais. Au final, lui, j'aime bien Pokémon. Ah, je me souviens qu'à l'époque, t'avais eu Deoxys X et Full Art, je crois. J'avais eu. Que Full Art quand on avait fait l'ouverture des. C'était des petits packs. Ouais, ça s'appelle des petits packs. J'avais eu le Deoxys. Duopack même, je crois. Oui, Duopack, pardon. Ouais. J'avais eu le Deoxys Full Art et dans la semaine d'après, dans le Pokébox, j'avais eu. Ouais, et c'était la carte qui me manquait à ce moment-là. J'ai eu de la chance, moi, dans Glaciation Plasma pour les Ultras quand même. Bon, il en faut des fois. T'avais même ouvert une Pokébox, je crois. J'ai ouvert les trois. Ouais, les bon. Alors, Atata. Makuta. D'accord. Soloshi, donc tu vois, c'est celui-là le commun. Il y a une autre forme où il est plus posé. Sort bébé. Ferro singe,
Le badge de la team Plasma, ok. Battre Acné, il bah, y a combien de cartes là-dedans? 116, ouais. 116, c'est pour ça qu'on envoie tout le temps les mêmes. Mélancolux, Colossinge en commune reverse. Ah, je crois que c'était une peu commune. Ouais. Mais non. Et derrière, on a toujours l'impression d'avoir une ultra là avec le petit bord là, mais non. Et Absol holographique. Ah bah ils sont pas triés du tout. Hein. Ouais. Non, bah c'est bien, hein, franchement, ouais, là pour l'instant le tirage, impeccable. Ah, il est beau celui-là. Ah, je me rappelle même plus qui avait celui-ci. Ouais, Absol, j'aime bien aussi. Et pour l'instant, on a eu 4 boosters, 3 holos, une ultra. C'est bien. Nickel. Tu restes sur ta lancée de. Un Deoxys. Bah, de frontière franchie derrière. Bon, 8 sur 8 peut-être. En plus, on a eu l'ultra enfin. Parce que en ce moment, j'ai pas trop d'ultra. En plus, c'est joli, moi j'aime bien celle-ci. Oui, bon. C'est pas la plus belle. C'est pas la plus belle. On va préférer avoir une foularde déjà. Oui. Mais bon, je vais pas me plaindre. C'est pas fini. Focus. Out. Étourmi. Scalpion, Mini Draco. Ah, ça me fait penser au coffre de dragon. Je sais pas si t'avais ouvert ça. Non, j'ai pas ouvert, mais par contre j'ai vu. Bah, je crois que c'est une réédition d'ailleurs du coffre de dragon. J'ai vu une de tes vidéos, ouais. Mais par contre, ouais, c'est vrai que cette carte-là, ça me dit quelque chose. C'est exactement la même. Axolotl, énergie plasma spéciale, Onyx, un cocon fort. Ça c'est la reverse, Scalpro un peu comme une reverse, un peu presque pas. Ouais, mais elles sont ouais les cartes comme ça, Scalpro, elles sont assez sombres. Elle est bien reverse là, on voit bien. Et derrière, tout en café holographique. Je vais faire un jackpot, je crois. Ouais, c'est super quoi. Bah, pour l'instant, en plus, t'as pas de doute. Bah, c'est les boosters que. Bah, toi, tu l'as pas encore vu la vidéo, mais dans un poké achat où je les montre que je les ai. Parce que j'ai vu ta vidéo où t'avais les frontières franchies, où t'as eu le Majestic en trois fois, je crois. Bah, ça, j'en ai reçu plein des boosters comme ça. Ah, tu diras, c'est pas, mais les glaciations, j'en ai reçu très peu et bah, j'ai tout ouvert. C'est pas mieux que mes 4 Lucario en 3 Majestic Lucario Box. Après. C'est vaut mieux avoir ça et que voilà, que rien du tout. Allez, après. Arco. J'aime bien cette illustration, moi j'avais bien aimé. Arco, ouais, avec la glace toujours derrière. J'avais bien aimé. Out. Après évolution de. Ah oui, il y avait un truc là-dessus. C'est 10-10. Non, c'était 9. 9 et puis. 10-10, mais là c'est out. Non, mais parce que ça me fait penser à ça justement. C'est pour ça qu'il disait un truc bizarre sur out. Ah, je sais plus. Non, moi c'était sur. Il y avait eu Kangourou, mais. Ouais, il y a ça, mais je vais le retrouver. Kangourou ex. Pachirizu. Ah oui, t'as Pachirou. Pachirou, ouais, c'est ça. Bah, c'était peut-être dans cette série-là, je crois, donc on va peut-être le voir. Mini Draco, Axolotl, Trio des Ombres. Ok, je me souvenais plus trop de cette carte. Cette carte-là, c'est une des cartes que pourtant elle tombait beaucoup. Je l'ai eu en je sais pas combien de boosters. Ah ouais. Moi, c'était Onyx dans cette série que j'ai cru que c'était une ultra rare, je la sortais jamais. Battre Acné, un dresseur. Sort bébé en reverse, par contre on a pas de chance sur les reverse. C'est pas très. Ouais, c'est pas les... Et derrière, un Dracolos holographique. Bon. Deuxième. Je mettrai le lien du vendeur dans la description. Même si je crois qu'il en a plus, mais. Et il reste deux boosters. Figuris, ouais, c'est ça. Ouais, moi je tombe jamais sur les bonnes affaires, quoi. Mais je pense que j'y vais pas au bon moment. En fait, celle-là, je les avais eues pour 24€ les 12. Non. Non, 24€ les. Oh, je sais plus. Je l'ai dit dans une vidéo, mais je sais plus. Oh, ça faisait 1,50€ le booster. Ouais, non, moi c'est plus 5 ou 6€ le booster, donc voilà quoi. Tu fais un équipe. Non, mais moi quand j'y vais, y'a rien donc. Ah oui, c'est arrivé, tu parles. Je fais 30 pages, mais bon, au bout d'une heure et demie, en fait, faut tomber au bon moment en fait, c'est tout. Ouais. Bon, on continue. L'avant-dernier booster, Farfuré, Makuhita, Evoli, Étourmi, Nidoran Mal, La Ville Gelée, un Draco. Alors celui-là est trop beau. Il est vachement sombre, t'as l'impression qu'en plus qu'il est à moitié grisâtre et tout. Ah, celui-là est trop beau. On croirait qu'il est en shiny. Ouais, non, mais. Parce qu'à la base, il est pas noir. Hein. Ouais, non, il est, du tout. Il est bleu, là, quoi. Il est bleu foncé. Je sais pas si c'est reflet de la glace qui fait ça ou pas, avec son bleu, mais. Ah, je sais pas, mais c'est vraiment très beau. Ouais, c'est joli ça. Un sort boule. Axolotl, qu'on a déjà eu en reverse, je crois. Ouais, je crois aussi. Ouais. Il me semble. Et derrière, Junko holographique. Mais ouais, bah, ok. Nickel. Tu sais que tous les autres boosters que j'ai eu de Glaciation de Plasma, je les ai tous ouverts, j'ai eu que des rares. Ouais, au final, ils tombent bien pour l'ouverture en fait sur le pays. Mais... J'ai eu que des rares, je sais plus combien j'en ai eu, une vingtaine, mais j'ai tout ouvert que des rares. Bon, le dernier. Il y a un petit lutin qui passe derrière. Ouais. On perd son sport. Allez, dernier. On va espérer une petite ultra rare, même si bon. J'ai été gâté, je crois. Ouais, déjà, c'est pas mal l'ouverture. Alors, le dernier booster. Un petit focus. Bon, ça change pas grand chose. Scalpion, Mini Draco, Axolotl. Bon, je prendrai un cap rapide. Hein. Je ferai pas de pause. Hein. Je vous montrerai ce que j'ai eu à la fin. Donc, Farfuré, Lupio,
Trio des ombres. On revoit les mêmes cartes là. Nientorina, Norfang. En reverse, mais Tang en reverse. Je crois que je l'ai pas eu non, tout le temps. Non, tu l'as pas eu. Et derrière. Oh Itran X. Bon, bah. Je l'ai pas vu venir en plus. Ok, hein, on l'a plus. Il n'y a pas de point blanc. J'ai l'impression que les full art, on peut pas les sortir. C'est impossible. Bah, moi, j'ai eu de la chance récemment sur. C'était sur quoi? Sur les coffrets Ivelta, les. Comment il s'appelle l'autre? Xerneas. Je fais le petit tri en même temps. J'ai eu de la chance sur la. C'était bah, sur les boosters étincelles. Où j'ai sorti deux foulards dans deux coffrets, mais sinon ouais. Depuis. Oui, dans les coffrets c'était dingue. Ouais, non, moi j'ai vu le Dracofeu secrète, j'étais bien content. Ouais, non, mais bah, de toute façon j'ai l'impression un petit peu là maintenant, enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai l'impression que les coffrets c'est un peu du n'importe quoi. Les. Bon, les coffrets c'est tout ou rien. T'as, ouais, c'est soit ça, t'as rien, soit t'as trois foulards. Bon, dans l'ouverture on a eu donc Junko Holo, tu tanks à faire Holo, le Absol, deux fois Dracolos. Donc. C'est servi, hein, c'est fait que tu voulais. Ah oui, bah... Noctali et deux ex, donc Boreas et Itran. Donc, je sais pas si on va voir. Avec la lumière, ouais, avec ça la fait lumière, peut-être trop. Ouais. Je vais vous les montrer comme ça. La fois, autant on était envoyé, c'était noir. Mais deux ex en 8 boosters, c'est nickel, je crois. Ouais, on peut pas dire. Ouais, les ex 6 holo, je crois, c'est ça, c'est le même côté. Donc, ouais. Bah, un 8 booster, je peux pas faire mieux là. Oui, non, mais. Non, mais c'est, j'ai un peu de chance parce que les 12 autres, je crois que c'est 12, j'en ai eu 20, je crois. Les 12 autres, j'ai eu 12 rares. Ouais non mais là, en plus ça le tirage ouais. Est, bah, au final il est bien hein. Bon j'ai déjà ces cartes j'ai déjà ces cartes donc elles seront à l'échange. Sinon ils seront sur mon eBay comme d'habitude. Voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être ton display sur ta chaîne. Je pense que ça va être certainement deux parties. Parce qu'en une partie ça fait un peu trop long. Ouais deux parties. Puis pour ma part je sais pas ce que sera le prochain ouverture. Peut-être du point furieux si j'en trouve d'ici là. J'espère en tout cas. Et puis bon bah, on se voit à la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut.